Parce que regardez hier, au final, c'est vraiment ça, c'est juste une question de trajet. Regardez hier, toute l'après-midi a été bouffée juste pour faire un aller-retour dans Paris et revenir. Et frérot, tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu vois. Donc voilà, mais encore la route pour aller à 211, elle est belle. Hein. C'est, tu sors de chez moi, tu vas à gauche, toujours tout droit, et en plus, tu traverses des vrais endroits. Hein. C'est beau pour aller là-bas. Putain, là, j'aurais eu la Mégane RS ultime, je suis parti avec Bam Bam. Je suis un malade, frère. Donc non, je m'occupe de tout ça, les concours, les trucs. Alors oui, comme si ça ne suffisait pas, frérot. J'en avais parlé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on s'était fait voler notre stock de vêtements chez AKR à l'époque, hein, il y a 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, un peu plus d'ailleurs, je sais plus. Et en fait, ils avaient pété les bureaux, ils avaient volé les PC, et puis ils avaient volé toute notre stock, tu vois. Bon, à l'époque, voilà, c'est tu portes plainte, et puis tu rachètes ton stock, et puis voilà. Je m'étais même excusé, parce que il y en avait qui avaient commandé et qui avaient été livrés 2-3 semaines après. Donc j'avais dit, je suis désolé, on a eu un vol, tu attends, frérot, on va refaire du stock, et on te renvoie tout ça. Donc bon, ça avait posé de problème à personne, tout le monde avait été évidemment livré. Mais hier, j'ai un mec de ma commu qui m'envoie un message. Il me dit, tonton, tu fais les marchés. Frérot, il m'envoie un marché dans le sud, je sais plus dans quelle ville. Il y avait tous mes t-shirts et mes sweats de l'ancienne collection. J'ai fait, ah, je connais. Voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'en fous, quoi. Mais bon. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais que ça fait plusieurs semaines que vous m'envoyez des messages en me disant que mon site internet était en maintenance. Et je vous avais déjà fait des stories en vous expliquant pourquoi. En fait, il n'est pas du tout en maintenance, c'est juste que on est en train de refaire toute une nouvelle collection. C'est-à-dire que tout ce que vous avez déjà acheté ou que vous êtes parti, parce que tout ce qui nous reste, on l'a mis chez Fresh Detailing, vous savez, toutes les anciennes collections, tout ce que vous portez aujourd'hui de ma marque, ça n'existera plus. J'ai pas envie de dire que c'est collector parce que c'est frérot, je vais pas me prendre pour je sais pas qui, frère, mais c'est il y en aura plus. Et donc du coup, on a mis le site en stand-by pour qu'au moment où on le réouvre, on aura déjà notre nouveau stock avec la toute nouvelle collection. Voilà. Donc il y aura quand même plein d'articles que j'ai jugé qui servaient à rien dans le sens où ça marchait pas non plus des tonnes. Les casquettes, ça marchait pas. Donc on a arrêté les casquettes. Les 1000 t-shirts des 1000 couleurs, on a arrêté parce qu'en fait, les gens préfèrent, et c'est vrai, je peux les comprendre, regardez-moi, préfèrent toujours les couleurs sombres. Donc, on va se focaliser sur des couleurs sombres. Évidemment, il y aura toutes les tailles. Ça va ? Regarde-le. Pourquoi tu le poursuivais comme ça, saloperie ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Donc du coup on va se focaliser. Mais fais-moi un petit bisou. Barba papa, c'était bien la journée? Oui? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Rien. C'est bien. Donc ouais, on va arrêter. Bah non, ne sois pas jaloux, toi, saloperie. On va arrêter les milliards de couleurs, les trucs. On va juste se focaliser sur des couleurs sombres que les gens peuvent mettre tous les jours avec des logos qui soient quand même moins voyants que ce qu'on avait avant. Mais vous en faites pas. Il y a que moi et Diego. On est à deux pour le coup pour gérer ça. Donc c'est vraiment très long. Entre Diego qui gère absolument la moitié du YouTube game, c'est très bien. Et moi, frérot, qui sait même pas comment je m'appelle, ça va mettre un peu de temps, je ne te le cache pas.